Get ready, get ready. C'est temps pour apprendre quelques petits anglais simple. It's time to learn some simple English. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Étienne. Je suis là pour vous présenter le cours d'anglais aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et je vous dis à nous seulement qu'on t'y tout petit, on s'est une démonstration que nous voulons faire. Nous voulons parler des cardinal numbers et puis ordinal numbers. Cardinal numbers, vous savez, c'est nombre nous utiliser pour nous compter. Numbers, ça nous utiliser pour nous compter. On a compté, par exemple, nous dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voulez savoir, cardinal numbers. Si nous suivons, répétez après moi. Cardinal numbers. Again, cardinal numbers. Yole sa yo, adjectif numéro cardinaux. Nous utilisons ça pour nous compter. Kounya, ça nous utilise pour nous faire classification, les nap classé. We call this classify, les nap classifié, les nap classé. Nous yole yo ordinal numbers. Kounya, pour nous gain ordinal numbers, non? À partir de cardinal numbers yo, nous ajouter th des numbers. Lévin fait. Can you class do that? Again. Example. Four, fourth. Four, fourth. Est-ce que nous avons langue? Four, qui c'est quatre, qui c'est cardinal number. Et bien, on a changé pour nous faire donner ordinal number. On nous dit fourth. Four, cardinal, fourth, ordinal. Là, nous avons cinq, qui c'est five. Il vient changer de prononciation. Il fait fifth. Fifth. Ça va être bien funny? Fifth. Fifth. Il vient faire cinquième. Là, nous avons 6, qui c'est en anglais. Six, comme cardinal number. Là, on a changé le vient faire. Sixth. Sixth. Seven, seventh. Eight, eighth. Nine, ninth. Ten, tenth, and so on. Quand on a eu une petite différence, un, deux, trois, ça va faire ordinal number de manière irrégulière. Irregular. Ordinal numbers. Irregular ordinal numbers. One. Nobody wants. Nous dit first. One fait first. Two fait second. Second. T'as dit bien. Second. Gayon qui dit second. Gayon qui dit second. Non, il va ni second ni second. C'est second. 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 Et puis, toi. C'est three. Il fait third. Three, third. Qui l'a nous utilisé ordinal numbers? Nous utilisons ordinal numbers et nous avons classé. Par exemple, nous avons dit premier, deuxième, troisième. Si nous classons 5 personnes, 5 élèves, nous avons dit premier élève, first student, second, third, fourth, fifth, and so on. Mais si nous avons dit nous avons 5 élèves là, nous avons compté, nous avons utilisé cardinal numbers et nous avons dit one student, two students, three students, four students, five students. Moi, c'est ça clair, très très clair. Thank you so much. Kounia, nous avons compté numéro cardinal 1, 20, 10. Est-ce que vous pouvez en commencer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendez-les une fois encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien, nous avons un verset que nous voulons partager avant, que nous jouons dans Jacques 4, verset 10. Otherwise, James 4, verse 10, it says, humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Merci en pile, ça c'était juste un commencement. Ça va quoi rien du tout. Il y a d'autres bagages qui viennent. Parlez-nous pour nous apprendre, na pour la semaine prochaine. Moi, je suis en pile. My name is Etienne. Much love, na pour la semaine prochaine. Vous qui auriez voulu être bénéficiaire de ces deux langues, à savoir la langue française et la langue anglaise, nous vous attendrons, c'est tous les samedis à partir de 2h jusqu'à 4h au local Stenio Vincent. Nous vous attendrons tous. Ciao!